Hey hey! Salut à toi, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Roguelite, cette émission où je te présente un roguelike en cours de développement. Aujourd'hui, on parlera de Demented Pixie, c'est-à-dire la fée folle, la fée démente. Un jeu en cours de développement par un seul type qui s'appelle. Alors, je vais écorcher son nom, c'est un espagnol. Enfin, il a un nom hispanique en tout cas, est-ce qu'il est espagnol ou mexicain? Je ne sais pas. Son pseudo c'est Mole Gato, ce qui est un mélange d'anglais et d'espagnol pour dire le chat taupe, si on en croit le petit dessin qu'il utilise comme avatar. Bref, Demented Pixie, assez dire, ça s'inspire quand même assez largement d'Isaac, et puis après d'inspiration un peu personnelle. On va voir ça, c'est surtout l'aspect graphique du jeu qui m'a attiré, hein. Une bien belle direction artistique, et bah on va partir tout de suite. Hein. Bim! Oui, normal, ça ira bien, merci. Le jeu est très très dur. Hein. Je pense qu'il y a... Alors c'est un jeu qui est actuellement disponible via le Green Light de Steam. Enfin, le jeu est disponible. Il y a une démo de disponible sur le Green Light de Steam. Donc si ce que vous voyez dans cette vidéo globalement vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Steam du jeu, dans la section Green Light. Donc vous savez, hein, il faut aller dans la partie communauté, puis Green Light, et vous tapez Demented Pixie, et vous tomberez sur le jeu. Et donc la démo est gratos, hein. Complètement gratos, elle a déjà été mise à jour une première fois là fin septembre. Il a sorti la démo mi-septembre et il l'a mise à jour le 27, donc il n'y a pas longtemps. Déjà pour commencer à prendre en compte les critiques des joueurs, donc c'est plutôt pas mal pour un jeu qui est même pas en Early Access encore, je trouve. Alors normalement, vous voyez un tout petit peu mieux que moi parce que j'ai augmenté le gamma de l'acquisition par rapport à ce que moi je vois. Le jeu est très très sombre, il joue beaucoup sur ce côté... ombre et lumière. Le jeu se joue soit au clavier, soit à la manette. Alors à la manette, il a commencé à corriger un peu les contrôles, mais je vois que c'est pas encore complètement ça. De temps en temps, quand je veux changer de direction, mon personnage fait un espèce de petit virage à 180 degrés qui est assez dur à contrôler, mais bon, c'est pas très grave, hein. C'est vraiment une version précoce du jeu, un jeu sur lequel il bosse depuis 2 ans, notre ami Mole Gato. Alors je sais pas s'il faut dire Mole Gato. Et je pense qu'il faut dire mole, parce que mole en anglais c'est taupe, et en espagnol c'est... rien. C'est un plat mexicain, je crois, le mole poblano. Bref, parlons plutôt du jeu, plutôt que de mes piètres connaissances en matière de culture. Je n'ai aucune culture, c'est bien connu. Ah merde, je vais direct au boss, dis donc. Fuck. Bref, c'est un twin stick shooter, hein. Je me déplace avec le stick gauche, je vise avec le stick droit. Je suppose qu'au clavier, on se déplace avec QZSD. Et on vise avec la souris, ok. Je vous ai pas du tout montré encore le système d'upgrade, c'est pas grave. Donc en gros, dans chaque niveau, on débloque le boss en allant choper la clé du boss, qui est la grande clé dorée que j'ai chopée. L'autre petite clé grise, elle a juste débloqué une porte à un endroit de l'étage. Oh putain. Que je n'ai pas été exploré parce que je suis allé comme un gros naze direct au boss. On va sûrement mourir tout de suite, hein, mais c'est pas grave, on recommencera. Je vais mourir quelques fois dans cette vidéo, vous en faites pas, c'est normal, le jeu est dur comme j'ai dit. Probablement... Ok, je me guéris, c'était une bonne idée. Yes. Ouais, peut-être des petits problèmes d'équilibrage, mais bon, encore une fois, le jeu est très tôt dans son développement. Alors, j'ai chopé tout un tas de trucs, il est temps de rentrer dans le menu. Comme ça. On chope des objets actifs, j'en avais un tout à l'heure que j'ai utilisé, qui était pour me guérir, c'était facile, il y avait un gros cœur, je pense que la fonction n'avait même pas besoin d'être décrite. Et là j'ai récupéré l'œil du savoir, qui permet d'extraire du savoir des objets. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Vous verrez bientôt que dans les objets qu'on chope, souvent, ben voilà, par exemple ce parchemin, il a un effet inconnu, c'est là encore... une belle mécanique issue de leur ancêtre commun à tous ces jeux qui est Rogue, qui est un jeu où tu ne savais rien et où tout change à chaque fois, un peu comme les piles d'Isaac, un peu comme les parchemins et les potions de Nécropolis, il faut identifier les choses pour savoir ce que c'est. Donc on a des objets actifs qu'il faut très souvent identifier, on a des objets passifs qui vont se mettre dans cette case-là, alors vous voyez que ces pièces ont des petites formes de puzzle, hein. Il y a des prises femelles, hein, des prises réceptrices et des prises mâles qui sont des petites excroissances sur le côté. Il faut que tout ça s'emboîte bien comme il faut, oh oui, emboîtons-les, pour qu'on puisse les placer, sinon, bah, sinon ça marche pas.
Ouh putain, il y a beaucoup de gens ici. Alors de temps en temps, voilà, vous tombez dans des salles avec plein de monstres et vous êtes prisonnier et vous pouvez pas sortir tant que vous avez pas tué tous les monstres. Il y a certaines salles où vous êtes pas du tout obligé de tuer les monstres pour sortir, hein, donc ça c'est quand même assez différent de d'autres jeux du genre. Dans la plupart des jeux du genre, en général, si t'as pas tué les monstres, tu peux pas passer. Mais pas dans Demented Pixie. Circle of Anything, qu'est-ce que c'est ? Permet de trouver des... je vais le mettre à un autre endroit parce que là ça s'emboîte pas bien comme tu peux le voir. Mais si je veux, je peux peut-être faire plutôt... Non, je peux pas, merde. Tac. Voilà, et là ça s'emboîte, nickel. Hop. Alors j'ai pas passé énormément de temps sur le jeu parce que globalement ce n'est qu'une démo et comme je disais le jeu est très très dur. J'ai plein de trucs. Et en plus il a mis à jour sa démo, j'avais pas essayé la nouvelle version encore avant de lancer ça. Bubbly et... réduction de quelque chose, ok pourquoi pas, vas-y on est parti. Il y a des ennemis à droite, alors pourquoi est-ce que j'aimerais aller à droite? J'ai aucune raison d'y aller, on va pas y aller. Il est important de péter toutes les petites jarres parce que dedans il y a des gemmes. Les gemmes c'est important pour avoir de la thune. Oh je tire des petites bubules, c'est mignon. Globalement, les ennemis reviennent hein, au fur et à mesure que tu nettoies les salles, donc c'est aussi pour ça qu'on est content que... Ah, un téléporteur. Ok, très bien. C'est pour ça qu'on est content que certaines salles, tu ne sois pas obligé de tuer tous les monstres pour les traverser, parce que sinon la progression dans le jeu serait extrêmement lente et chiante. Alors que là, voilà, même si les monstres réapparaissent, ou si t'as des monstres relous et que t'as juste envie de te barrer, bah... tu te casses et c'est cool. Alors... qu'est-ce que je vais prendre là? Ça, ça permet d'identifier les objets. Et l'autre, je sais plus. On va prendre la loupe. Voilà. Et on va l'utiliser, je pense. Bim! Et donc, j'ai identifié le parchemin de mauvaise mémoire. Écoute ça, on va le foutre à la poubelle, bouge pas. Je vais le faire à la souris parce qu'à la manette, je sais pas comment faire. J'ai pas trouvé le bon bouton. Et j'ai pas envie de galérer une demi-heure dans les menus sur une vidéo de présentation d'un jeu quand même, ce serait un petit peu naze. Tu me diras, t'avais qu'à mieux préparer ta vidéo. Ouais, ouais, ça va, hein. Ça va. Hein. Déjà, j'ai bien galéré à trouver du temps pour vous faire ce roguelite. Ça fait un moment que je voulais faire une vidéo sur Demented Pixie et j'avais pas le temps. Et là, j'ai enfin un petit peu de temps. D'ailleurs, désolé Alex, tu voulais qu'on joue à Nuclear Throne Together, mais non, je dois enregistrer roguelite. Allez, on se casse de cet étage. Zou. Et donc, à chaque fin d'étage, on chope un objet en plus. Alors, plus de marques, ou un slot pour un item en plus, un emplacement pour un item en plus, je sais pas, je vais prendre ça. Fort bien. Et on avance. Fort bien. Je peux encore identifier un scroll, ce qu'on va faire tout de suite. Et c'est un parchemin de lumière. Fort bien, ça tombe bien parce que la lumière, ça me manque. Alors là, je pense que je peux en choper qu'un seul. Hein. Je pense que celui avec le point d'interrogation, c'est celui que j'ai déjà identifié, donc un truc de merde. Ah non, je peux tout prendre. Eh bah écoute, on va tout prendre. Sauf que ceux que je connais là, qui sont de la merde, bim, crac, et on va équiper ça plutôt. Ok. Et y a plus rien par ici. Fort bien. On avance. Alors, les salles jaunes, je crois que c'est celle avec la clé. Il y a un petit plan en bas à gauche, hein, je pense que vous l'avez vu, j'avais peut-être pas besoin de le pointer, mais... ok, un parchemin gratos. Un téléporteur, les téléporteurs ça fait toujours peur, mais on y va. Des fois ça te téléporte juste à côté d'un ennemi, et les ennemis te font quand même très très mal. Hein. Alors vous voyez là, cette petite urne à droite qui a un bouclier autour, je ne peux pas encore la péter. Ok. Mais c'est typiquement, voilà, en récupérant les clés... voilà, en récupérant les clés argentées, là, qu'on peut accéder à ces urnes. Et dans les urnes, souvent, il y a des... il y a des marques avec des... enfin, des runes, on va appeler ça des runes, c'est très bien d'appeler ça des runes. Et donc ça, ça me fait faire plus de dégâts. Et on va mettre ça là, voilà, ça s'emboîte bien, tout ça, c'est parfait. Je vois, j'aime bien, moi, quand les gens s'emboîtent, c'est tout à fait cool. Aïe. Alors chaque ennemi, là, chaque petite fée ennemie a son attaque particulière hein, à chaque fois. Attention, ça c'était un petit piège de poison.
Ok. Ah merde. Je me suis pris un petit piège de gel là, du coup je suis ralenti pendant quelques secondes. Hop là. Ouais, donc les ennemis voilà sont clairement identifiables hein, par leur couleur et par le sigle sur l'ennemi. Donc ça c'est bien, c'est toujours bien de pouvoir facilement identifier les ennemis dans les jeux. Hop. Et donc là il nous faut deux clés dorées avant d'aller au boss. Comment ça se fait que j'ai réussi à avoir tout le plan de l'étage? Je crois que c'est à force de me téléporter. Ah mon dieu! Donc là vous voyez, je sortais de cette salle, il n'y avait pas d'ennemis, et là boum, tu retournes et paf, t'es pris au piège. Et alors cet ennemi là, il faut qu'il me fonce dessus pour enlever son bouclier. Putain. J'ai du mal avec cet ennemi, voilà. Il faut qu'il attende qu'il te fonce dessus, sinon il a un bouclier en permanence, donc tu peux pas le tuer. Du coup faut l'appâter et l'esquiver, mais c'est pas facile à faire, hein. Il se déplace vraiment très très vite. Attends, on va mettre un peu de lumière là. Ouais, on y voit pas forcément beaucoup mieux avec ma lumière, mais bon, c'est pas grave. Encore une fois, normalement, vous y voyez un tout petit peu mieux, mais dites-vous bien que moi, j'y vois quasiment que dalle. C'est pas très grave, parce que, voilà, les ennemis, tout comme nous, on est des petites fées qui émettons beaucoup de lumière. Ok. Yes, j'ai réussi à le gérer comme il faut. Oh, putain. Ok. Cette jarre, je ne peux pas l'ouvrir. On va prendre le sort de soin, clairement. Ça me paraît important. Pourquoi j'arrête pas de laisser tomber des parchemins? Je ne sais pas. Ça doit être un truc que j'ai chopé. On va équiper ça et on va aller au boss. Hein. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. Et allez où? Ouh là, il y a des ennemis juste à l'entrée. Non, c'est bon. Ah, il me crache à la gueule, c'est dégueulasse. Aïe. Alors oui, je l'ai pas dit, mais les cœurs redonnent des points de vie, c'est... Ça a le mérite d'être dit, parce qu'il y a des jeux où c'est pas comme ça. Hein. Typiquement Castlevania, les cœurs ne redonnent pas des points de vie. Merde. On va utiliser cette petite clé. Hop, pour aller choper, je pense, cette jarre, parce que c'est à peu près le seul truc qu'on n'a pas fait. Elle est où? J'y vois que dalle. Donne-moi de la lumière, s'il te plaît. Voilà. Elle était où, la jarre? Elle était là? Elle était là. Et une petite capacité en plus, qui est... des rayons laser. Ouais. Ah, c'est aléatoire, ça tire de temps en temps. Non, c'est pas aléatoire, c'est un intervalle régulier. Ok. Toi, tu nous fous la paix. Ok, on va équiper encore une fois le sort de soin, hein, parce que le boss, il va nous trucider la gueule. Je suis pas allé beaucoup plus loin que... Bah, y a pas de boss, ok. J'allais dire, je suis pas allé beaucoup plus loin que le troisième étage, mais... Je me souvenais pas qu'il n'y avait pas de boss au deuxième étage. Bon, ok. Beaucoup de cristaux, vitesse supplémentaire. On n'a pas vu de magasin encore. Il y a des magasins dans le jeu. Hein, où tu peux acheter des trucs avec les petits cristaux, justement. Bon, bah écoute. Ok, on chope direct la première clé. Plus qu'une pour le boss. Très bien, très bien, très bien. Hop, alors, les gros un peu transparents, là, ils tirent des petits crachats. Eux, ils font que rebondir en diagonale. Ils sont faciles à gérer. Parchemin de lumière, très bien. Un parchemin inconnu, pourquoi pas. Et... qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une de mes marques. Ouais, c'est ça, c'est celle-là. Du coup, maintenant, cette marque me donne plus de vie que d'habitude. Fort bien. Merveilleux. Je vais utiliser ça maintenant parce que j'ai quand même plus beaucoup de vie et on avance. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur le jeu? Pas grand-chose, c'est vraiment l'aspect graphique qui m'a intéressé avec ce côté très... Enfin, le fait que ça joue beaucoup sur l'ombre et la lumière, je trouvais ça intéressant. Et puis globalement, hein, la démo, elle est complètement gratos, donc pourquoi pas? Au pire, si ça vous plaît pas, vous n'avez perdu que le temps que vous avez passé à essayer. Donc si ce que vous voyez... ne serait-ce que vous intrigue, n'hésitez pas à télécharger la démo, n'hésitez pas à aller sur la page Greenlight du jeu. Et si jamais le jeu était dispo en Early Access et que ça vous intéresserait, n'hésitez pas à dire « Oui, je suis intéressé par ce jeu !» Alors je ne sais pas du tout comment marche le système Greenlight de Steam, est-ce qu'il faut un nombre minimal de oui pour pouvoir après balancer son jeu en Early Access. Je ne me suis jamais vraiment intéressé à ce truc.
Je suis tombé sur un petit article sur ce jeu en me... Je crois que c'était sur Twitter, quelqu'un parlait du jeu. Je sais plus qui, ça devait sûrement être un autre développeur. Et du coup, je suis allé voir la page Greenlight et ça m'a plutôt botté. Ah merde, mon inventaire est plein. Alors écoute, tous ces machins qu'on sait pas ce que c'est, on va les balancer, voilà. Zbim, on va se faire de la place. Au pire, je les ramasserai après. On a la rune de saut. Pourquoi pas. Est-ce que je peux la mettre là? Non, je peux la mettre là. Tac. Et... on va acheter tout ça parce que j'ai plein de cristaux après tout. Et bim! Vitesse supplémentaire. Donc oui, j'ai peut-être pas détaillé, hein, mais pour chaque petite rune, vous avez... Donc au milieu, c'est l'objet actif. En dessous, c'est le nom de l'objet que vous êtes en train de regarder, ce qui est pas vraiment intuitif, mais bon. Donc là, c'est la rune qui est à droite. Elle me donne pas de points de vie en plus, pas de dégâts en plus, pas de vitesse en plus. Si, de la vitesse en plus, pardon, c'est 0.39 plus 5% de ma vitesse. Et le temps de rechargement, je pense que c'est la vitesse de tir peut-être. La dernière truc en bas là. Où est-ce que je peux te mettre toi? Attends. T'as une petite pique en bas? Non, t'as pas de petite pique en bas. Merde, je peux te mettre nulle part. On va jouer au puzzle, c'est pas grave. Je peux les mettre nulle part ceux-là. Réfléchis. Oh, je me sens bête quand j'arrive pas à faire ce genre de puzzle, c'est quand même relativement stupide comme puzzle. J'ai pas beaucoup de trucs avec une pique en haut, j'ai ceux-là, ceux qui sont en bas là. C'est exactement pas ça que je veux, ok. Réfléchis, on va mettre ça là. Toi, on peut te mettre là, toi, on peut te mettre là, qui je peux mettre là, toi, et... Merde, ça marche pas, si, ça marche, comme ça, bim. Haha, je suis trop malin. Ok, on récupère les sortilèges, on sait pas ce que c'est, et on se casse. Et la fontaine au milieu, ça fait rien. Ok. Donc voilà, c'est ça les magasins. C'est juste... il y a des petits trucs à vendre et tu pètes les cristaux pour les choper. Tu peux pas savoir ce que c'est à l'avance, par contre, je crois. On va au boss. J'aimerais bien que la souris se casse. Voilà. Plus loin. Oh, va-t'en. Va-t'en, petite souris. Je ne veux plus te voir. Merde, elle reste affichée. C'est pas grave. Ah, j'ai jamais eu ce boss. Ok. Il prend la moitié de la salle et il tire des petits spermatozoïdes partout, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Alors, il y a une histoire dans le jeu, hein. C'est vrai que j'avais essayé de vous mettre la petite vidéo d'intro du jeu, avec une jolie voix de narrateur qui a un petit accent un peu irlandais, c'était assez rigolo, mais j'arrivais pas à la capturer dans la bonne résolution. Bref, en gros, dans la société des fées, les fées ont un pouvoir magique. Sauf que, le problème c'est que les fées elles deviennent complètement tarées, et que les fées qui deviennent tarées après, on sait pas guérir leur maladie, et donc elles sont toutes emprisonnées dans une grande tour. Globalement, c'est là qu'on est, et nous, on est la Demented Pixie, donc la fée complètement démente, qui, si j'ai bien compris, essaye de s'échapper. Et apparemment, on n'est pas tout seul, hein, parce que là, par exemple, cette grande fée, elle a l'air tout aussi tarée que nous, hein. Et elle est toute enchaînée d'ailleurs. Et on se chope une nouvelle marque. Merde, mon inventaire était plein. Donc j'ai pas chopé la marque. C'est dommage. Plus de vie, ça me semble important. Et bah du coup, je peux pas prendre ce truc. Bon. Tant pis. Quatrième étage, le bastion. Fort bien. Je suis jamais allé aussi loin. Globalement, je pense que ce roguelite s'arrêtera quand j'aurai perdu la partie. Ouh, il y a des ennemis que je connais pas. Ah. Ah, c'est plutôt bien designé, hein. L'ennemi qui tire en V, il a un V écrit sur lui, ça va, c'est pas trop compliqué. Plutôt simple comme design, ça me va très bien. La simplicité, des fois, c'est la meilleure solution. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air intéressant. Je vais balancer un petit peu de parchemin inutile, là. Voilà, hop. L'orbe de feu. Ça a l'air cool. Alors oui, on peut utiliser les gâchettes hein, pour passer d'un objet à l'autre. C'est vrai que je le faisais pas trop, mais... Oh, un ennemi dans une jarre. Ce jeu s'inspire vraiment d'Isaac. Ok, on a chopé tout un tas de trucs que je sais pas ce que c'est pas grave, on va avancer. Hein.
On a trouvé la clé aussi. Et ça, c'est cool. Et on a trouvé le boss. Mais la porte du boss, pour l'instant, elle est fermée, puisqu'il faut 3 clés maintenant pour aller au boss. Ok. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre sur le jeu? Les musiques sont plutôt sympatoches. Elles mettent bien... Enfin, elles complémentent bien l'ambiance du jeu. D'emprisonnement et de côté un petit peu oppressant, on va dire, d'être emprisonné, d'aller de salle en salle comme ça, faut pas être claustrophobe globalement. Aïe, 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 je suis en feu. Ok, tout va bien. Les musiques du jeu ont été faites par un autre type, du coup je pense qu'ils sont au moins 2 à bosser sur le jeu. Y a son nom aussi dans la séquence d'intro, mais je l'ai oublié, je suis désolé. Ça fait pas très sérieux ça, hein, comme roguelite, mais bon, c'est pas grave. 105 pour un parchemin inconnu, écoute, je pense que c'est trop cher. Oh putain. Ok. Il y a plein de nouveaux ennemis qui ont l'air tout à fait relous. C'est quoi ça? Je sais pas, on va voir. Oui, et donc? Qu'est-ce que... D'accord, c'est rien en fait, ok. Je sais pas, je peux appuyer sur le bouton de capacité active pour faire apparaître un truc violet autour de moi, mais qu'est-ce que ça fait? Je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a peut-être des secrets dans le jeu que je n'ai pas encore trouvé. Hein. Et si je ne lâche jamais le bouton, il se passe un truc? Non. Va savoir, c'est étrange cette salle, il y a sûrement quelque chose à faire. Et si j'utilise un de mes parchemins inconnus, qu'est-ce qui se passe? Écoute, on va tous les utiliser, m'en fous. Ok, ça me permet de savoir où est la prochaine clé, très bien. Ça c'est le même. Et ça c'est le même, d'accord. Ok. Bon bah, je sais pas trop ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Hein. Fort bien, du coup on sait où est la clé, elle est juste... Ah, il y a l'ennemi qui me tape direct. Vraiment dans ce sens-là, je pense que le jeu a besoin d'un peu d'équilibrage, parce que des fois tu rentres dans une salle et il y a un ennemi qui est à côté de toi et du coup il te fait direct un dégât. Et comme les ennemis font quand même beaucoup de dégâts, je trouve, peut-être des petites choses à revoir de ce côté-là, mais bon. Encore une fois, hein, c'est un jeu qui est très tôt dans son développement. Aïe, merde. Merde, c'était un piège de malédiction, du coup la marque, une de mes marques a été maudite et je ne peux plus la déplacer. Ah, là je me fous le feu. Ok, c'est pas grave. Heureusement, j'ai ça. Alors oui, je suis en train de me dire que dans la salle de tout à l'heure, en fait, il n'y avait rien de particulier qui se passait. C'est juste que justement, comme c'est une salle avec pas d'ennemis, ça m'empêchait d'utiliser mes compétences d'attaque. Ça devait être ça, en fait. Pas de secret. Et pas de boss à cet étage. Fort bien, on avance. Plus de vie, c'est important. Je ne sais pas du tout combien il peut y avoir d'étages. Ah. Merde. La fée a rencontré bien des dangers dans le donjon, mais le donjon est bien plus grand que ça. Ah, c'est la fin de la démo, du coup. Eh ben, écoutez. Ceci est juste une démo, mais bientôt, nous sortirons un jeu complet. Donc, vous pouvez aller sur le site de Molegato pour télécharger la démo, sinon sur la page Greenlight, il y a aussi un lien direct vers une Dropbox avec les jeux. Donc Raoul Martinez Gulido et Lace, ah j'ai pas vu son nom de famille, qui sont donc les deux personnes à avoir bossé sur ce jeu. Ben parfait, comme ça je vous ai fait un full run-through de la démo, quelle classe, c'était merveilleux. Voilà, et ben écoutez, si ce que vous avez vu vous a plu ou même juste intrigué, encore une fois, n'hésitez pas à aller sur la page Greenlight du jeu, télécharger la démo, faites-vous votre idée, et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à dire oui au développement de Demented Pixie, un jeu qui, je pense, a du potentiel, pas mal de petites choses à travailler, pas mal d'équilibrage à faire, des objets à ajouter, etc. Mais un jeu qui a pour moi, je pense, beaucoup de potentiel. En tout cas, je suivrai de près son développement. Allez, on va s'arrêter là pour cet épisode de Roguelite. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à balancer des commentaires.
Et je vous dis à très bientôt pour un autre roguelite. Alors sur quoi, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de roguelike en cours de développement là qui m'intéresserait, mais si vous avez aussi des idées pour des roguelites, n'hésitez pas à proposer. Et je vous dis à très bientôt les justiciers, portez-vous bien. Ciao ciao.